monde, c'est Zoavix. Aujourd'hui, nous enchaînons notre let's play sur Castlevania Lord of Shadow. Alors, on est arrivé à l'épisode 5 pour les retardataires. Je vous invite à regarder les anciens épisodes. Bref, on continue notre aventure sur ce magnifique jeu. Et donc, il y avait une sorte de démon ange. Enfin, c'était un truc bizarre. Alors, il est impossible de monter par ici. Vous devez trouver un autre moyen. Ok, pas grave. Enfin bref, il y avait une sorte de démon ou un ange. Enfin, je sais pas, c'était bizarre quoi. Et bref, donc là, bah, on doit continuer tout simplement. Alors, je pense qu'il faut trouver une sortie ou quelque chose comme ça. Bah, on va trouver. Ah, bah voilà. Wouh! Ok. Par contre, si j'ai du mal à parler, désolé parce que j'ai juste de mettre mon appareil. Donc c'est pour ça que si j'ai du mal à parler ou quelque chose comme ça, ben, vous connaissez la raison. Enfin bref, hop. Ah putain, dégagez. Wouh. Ok, je me suis chargé de... Voilà, c'est parti. Oh putain. Putain, je vois rien du tout. Alors... Faut que j'arrive à trouver un moyen de passer. Ah ben, c'est par ici, je pense. Où suis-je? Bon, mais c'est un labyrinthe en fait. Wow, 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 on a de la compagnie. Ok, vous allez tous dégager, les gars. Voilà. Toi aussi tu dégages, mec. Ok, on récupère les orbes. Ah merde. Ah, c'était quelle touche déjà? Parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas joué à Castlevania. Ok, non, c'est bon. Enfin, même si ça fait juste une semaine que j'ai pas joué. Ok, bref. Alors, on va sauter dans cette distante tête. What? Il vient d'où lui? Wouh! Oh putain. Oh bah, je pense que ça va être assez, on va dire, facile, mais Ok, j'active la force de l'ombre, de la force. Que la force soit avec moi, Jedi. Wouh! Ah ouais, que je l'explose, effectivement. En fait, vu que cette lueur rouge, enfin, ça vous rapporte de l'énergie. Du mal, on va dire ça comme ça, qui vous donne beaucoup d'attaques. Wouh! Ok, appuyez sur eux dans... quand le Borg est sonné pour monter dessus, appuyez sur clic droit pour donner des coups de griffe. Maintenant, clique pour charger une attaque de morsure. Ok, ok. Appuyez sur espace pour traverser. Ah, ok. Appuyez deux fois sur les touches de déplacement pour courir, balopon. Wouh! Ok! Maintenant je vais. Tu sais, je vais bouffer ses propres enfants. Ah nom 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 nom. J'ai faim! J'ai pas d'argent pour me payer de la nourriture, hein! Je suis un roumain sec pas, passe-moi mes sous. J'ai rien contre les roumains au passage. Ah ok, bon. Comment on étrangle? Hop, ok. Par contre, ouais, si vous avez suivi mes anciens épisodes, vous aurez remarqué que je galérais pour, comment dire, pour étrangler mes montures. Et bah, c'était tout simple. Alors, il vous faut plus de force pour déplacer cette statue. Bien que vous aurez amélioré vos compétences. Ouais. Enfin, bref, ce que je voulais dire, c'est que, vous auriez dû remarquer que dans mes anciens épisodes que j'ai dû sortir ma manette d'Xbox, etc. pour étrangler ma monture. Alors qu'en fait, j'avais mal lu, c'était pas clic droit ou clic gauche, je m'en souviens plus. C'est CTRLE. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas à tuer mes montures. C'est tout con parce que... Enfin, je sais pas lire quoi. Mais bon. Voilà, j'ai désactivé mon pouvoir pour économiser de l'énergie. Maintenant, on va se gérer par là. Diriger. Putain, mais j'ai du mal à parler. Hein. Ah mais non. Merde. Ceci pose un problème.
Ouais, ça pose un gros problème même. Ouais. Je suis dans la merde. Ah non, je pense que c'est bon. Ouais, attends. Non! Ah super, on a récupéré de l'énergie noire. Ou de l'ombre. Ah oui, voilà, de la magie de l'ombre. Dégagez, vous, dégagez. Allez, oust. Non, j'ai dit oust. Voilà, c'est bien. Bon, je pense qu'il faut passer par là. J'irai où je fais un détour. Non, je pense, si, ouais, non. Ouais, enfin, je sais pas. Hop. Bon. Ouais, je suis un peu dans la merde vu que j'ai étranglé justement ma monture. Il était préférable que j'aurais jamais appris ça. Comme ça m'aurait évité de d'étrangler ma monture. Et ça m'aurait aussi évité de foirer cet épisode. Mais bon, pas grave. Normalement, j'espère qu'ils ont tout prévu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'espère qu'ils ont tout prévu. Quoique. Quoique. Putain, non, je peux pas. Bah, comment je fais, mec? Bah, mais je suis dans la merde en fait. Bah ouais, je suis dans la merde. Il me faut ma monture à tout prix. Bon, on va essayer de chercher comment je pourrais la récupérer. Ok, attendez, je vais passer par là alors. Est-ce que tu aurais vu un gros monstre noir? S'il te plaît. Toi, dégage-toi. Nunchaku! Coup de babouche! Wouh! Ok, ça c'est fait. Non, je pense pas que c'est par là vu que j'étais passé par là tout à l'heure. C'est quelque part par là. Alors. Est-ce que ça se trouverait ici? Bah non, c'est par. Putain. Non, bah non, ça peut pas se trouver ici. Bon, bah le seul moyen, charge les dernières sauvegardes. On va commencer au point de sauvegarde, appuyer sur entrée. Ouais. Ça va pas le faire là. Je suis bloqué à vie, super! Bon, après avoir tué ces gens-là, je vais voir comment me débrouiller parce que j'ai pas envie de recommencer tout le jeu non plus. Non, c'est pas cette touche-là. PMOLNMNOP. Ok. I-O. Putain, mais non! J'ai dit que je voulais pas l'activer. Ouais, non. Ça, j'abandonne. Ouais. Je sais pas pourquoi j'étais resté bloqué là, sûrement que je réfléchissais. Enfin bref. Comment on va faire? Telle est la question. Ouais, non. Ah merde, c'est qui? Dégage. Mais comment on pourrait faire? Comment? Pourquoi j'ai été étranglé ma monture, moi? Pourquoi? Pourquoi? Il y a le truc qui me saoule un peu, c'est qu'il n'y a pas de truc genre pour te rattraper ou quoi. Mais j'en suis sûr qu'il y en a un parce que si tout le monde y ferait comme moi, ne finirait jamais le jeu. Hein. Ah, j'avais pas vu ici. Où ça mène?
Alors, est-ce que ce serait ici? Bon, déjà là, il y a un cadavre. Ok. Non, mais non. Ne me dis pas que je suis coincé à vie quand même. Ne me dis pas ça, Jean-Pierre, non. Je ne te crois pas, Jean-Paul. Non, mais. Non, mais s'il te plaît. Je suis coincé toute ma vie dans ce temple à manger des asticots et des bananes. Super! Wouatatatata! Bim! Tu as touché trop tard, merde! Dégage ta race, dégage! Retourne à ta niche, bâtard! Bon, bah, il n'y a pas de bon E en fait, vu que je peux pas. Est-ce que c'est en détruisant cette pierre que tous mes problèmes seront résolus? Non. Bah, non, je suis désolé de te l'apprendre, mec, mais non. Est-ce que. Que vous ne pouvez pas sauter de cette distance sans aide. Sans aide. Mais je voudrais bien de l'aide, mec. Mais comment tu veux que je fasse? Oh, il qui spawn tous les 2 secondes, ça commence à me saouler. Donc là, je peux pas passer. Putain. Ça va pas commencer à me saouler, ça non plus. C'est pas possible, putain de merde. Mais dégage, mais comment tu veux que je fasse? Bordel! Ah bon. Là, je vais repasser par là où j'étais passé. Ce que je viens de dire n'est absolument pas français. Non, mais j'étais passé par où, bordel de merde? J'étais passé par où? Est-ce que c'était par là? Oh merde! Est-ce que si je refais tout, ça va marcher? Ah bah non. Ah mais non, non, non. Ça marche pas du tout. Ah merde, là je tombe. Ouais, je peux pas revenir en arrière non plus. Alors, les ruines d'Arcaza gisaient devant Gabriel qui traversait ces ruelles distraites. Putain. On peut dire que je suis dans la merde. Exactement. Ouais, je suis dans la merde. Wouh, ok. Est-ce que là, le mec va respawn? S'il te plaît, dis-moi qu'il va respawn. Ah, mais du coup, le... Attends, c'est une vanne. Putain, oh mais c'est pas possible. My God! Il a respawn! What? Comment il a fait pour respawn? Mais comment il a fait, bordel de merde? Mais je lui ai rien demandé, c'est ça le pire. Comment il a fait, dis-moi? Eh mais j'avais rien fait, hein. J'ai complètement rien fait, il a respawn d'un seul coup comme ça. Waouh, hey, mais la magie c'est un truc de malade hein. Toi tu vas crever, bim. Et hey, tu commences à me casser les couilles. Tu vas dégager de tes... Hey, dégage. Hamouda. Retourne. Retourne de là où tu viens. Hein. Dégage. Wouhou. Je te chevauche, moi, ma gueule! Bouh!
Allez, viens, mon petit ours. Ah merde. On doit prendre l'élan, mec. Ouh, ouais, tu sais sauter, c'est pas mal pour un enfant de ton âge. Essaye de sauter ça maintenant. Et maintenant, comment tu fais, hein? Dis-moi comment tu fais, dis-moi comment tu fais. Et ben, tu peux pas parce que tu n'es pas là. Et ben voilà. Enfin, bref. Enfin, bref, bref, bref. Wait, what? Ouais, ouais. Maintenant, que faut-il que je fasse? Ouais, je suis coincé. Ah merde, j'avais pas vu. Je suis toujours aveugle, moi. Faut que j'achète des lunettes, bordel. Encore des petits oursons là. Bande de multuc. Dégagez! Wouh! Jackie Chan! Hey, tu fais quoi là? D'où tu me sers? Hey, c'est un mal le mec, d'où tu me sers toi? Qui t'a permis de me serrer? Dégage! Je sais pas toi, mais faut que tu me sers, reculé. Bim! Je te gicle moi. Tu vas gicler le sang, ma gueule. Pourquoi je dis que c'est ma gueule? Je ressens pas à ça, bordel! Clic, 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 clic. Cliquez, cliquez, bande de salopes. Oh! Aïe! Esquive! Esquive du droit! Crochet droite! Wouh! Non mais moi je te baise! Dégage! Non mais dégage! Je t'ai dit que je te baisais. Wouh, je monte dans le troll. On peut dire que je l'ai trollé! C'était monsieur jeu de mots! Ok, elle est où là, la sortie? Elle est par là, d'accord. Au revoir. Wouh. Ah non, dommage, je peux pas sauter comme le mec là, le noir là. Attends, est-ce que je peux passer par là? Ouais, un cul-de-sac. Pourquoi il nous laisse passer par là alors que c'est pas la bonne sortie? Ok, on va passer par un autre endroit alors. Wouah, à gongo, je suis marabouté. Oh. Je suis King Kong. Respecte mon autorité. Dégage-toi une grosse. Qui veut une droite? Une pêche, abricot, banane. Bouh. Moi, tellement que je suis gros que je fais des tremblements de terre. Bim. Ah putain, mais je l'ai écrasé, c'est dégueulasse. Dégagez, dégagez. Bon bah. Je peux m'occuper de vous. Oh. Wouh. Moi maintenant faut que je passe par où? Crève, voilà. Ok, c'est bon, je passe par là, tranquille, au calme. Alors. Choupali palou. Oh, c'est par là. Oh, toi, je t'aime bien. Enfin, non, je t'aime pas vu que tu m'as. Je t'ai étranglé. J'active mon pouvoir dès le feu, dès le haut. Oh, hop. Et maintenant, je ressuscite ma vie. Parce que, oui, grâce à cette aura, tu peux ressusciter ta vie. Et ce qui est super, ce que je viens juste de découvrir à l'instant même. Voilà, Nuchaku. Voilà, 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 voilà. J'adore comment je le maîtrise. Boum. Hop. Ouais. Par contre, pourquoi il m'attaque pas? Wouh. Loupé, mec. Hop, je te chevauche. Je te chevauche. Merde. J'ai raté mon coup. Aïe, 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 aïe. Dégage ton gros cul de mammouth. Dégage, allez. Wop. Oui. J'ai réussi à passer cet obstacle. Toute ma vie j'ai essayé de le faire. Ouais, enfin ça je pouvais le sauter moi-même quand même. Oui.
Allez, cours. Cours. Je sais que tu peux y arriver. C'est très bien. Coucou, jeune blonde. T'aurais pas un 06? Wait. Non, elle est où? Je vais sauter la rattraper, la violer. Lui donner des trucs gentils. Comme ma bite, Je suis tout obligé de rajouter un truc qui gâche, tu vois, qui gâche tout. Bon. Alors, hop. Poursuivre la quête. Donjon noir. Qui est cette fille étrange? Elle n'aurait assurément pas pu survivre seule dans ce trou infernal. Ouais, enfin, je m'en fous. Voilà. Maintenant, faut que je grimpe ici. Wouh! Waouh! Tarzan! Ah, bah non, je peux pas. Faut que je fasse quoi si c'est pas Tarzan? Ah, bah faut que je fasse ça. Oui! Tarzan! Wouhou! Banana! Voilà, je monte par là, tranquille, au calme, sans pression. Non, faut que je descende. Merde, je me suis fail. Ok. Faut forcément... Mais comment ça s'interprète? Enfin, je veux dire, comment on fait? S'il vous plaît. On peut pas se balancer ou quoi? Ah, bah là j'appuie sur espace, en fait ça fait rien du tout. Allez, saute! Super. C'est très passionnant de se faire kill. Ok, donc là je me lâche tranquille, voilà. Il y a des jours où je me lâche. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse un bordel de merde? Putain. Non mais ça me saoulait en fait, s'il te plaît. Du coup, t'aurais l'amabilité de me laisser descendre tranquillement. Il y a sûrement un truc à faire. J'en suis. Ah mais... Je savais pas qu'il y avait un truc de souris. Comment on fait? Ouh. Ah ok. Ah ok, d'accord. Alors maintenant... je pense... Ah si, c'est par là. Putain, le mec arrive à grimper mais n'importe où. Genre un petit bord de 2 mm, j'arrive à être le grimper, hein. C'est trop mag. Hop. Est-ce que tu penses... Ah, bah non. Hop. Wouh. Ok. Ah merde, j'ai fail. J'ai cru qu'elle allait se rattraper tout seul, mais non. Oui, ok. Oh, arrête de faire tes petites manières là. Genre tu crèves à cause de ça. Oh, un cadavre. Ouais. Ok, c'est bon. Mais ce mec, il s'aventure dans des trucs pas possibles. Bonjour, jeune demoiselle. Enfin, rebonjour, parce que je vous ai vu tout à l'heure. À moins que vous avez déjà l'Alzheimer et que vous m'avez oublié, connasse. Mais t'as qu'on joue à touche-touche ou quoi? Dégage, reste là. Je peux pas te violer, enfin si, mais... T'es pas censé le savoir. Oh.
J'ai pas la clé du mécanisme, ça. Putain de merde. Il me faut la clé du mécanisme. La clé du mécanisme. What you? Qui doit être dans l'un des cadavres. Non, ça c'est un carnet de voyage. Waouh, c'est quoi ça? What the fuck? Oh putain, il est trop marrant. Je les trouve trop mignons, moi. Viens! Je suis un pédophile, je savais pas, viens, je vais te violer. Je vais violer tout le monde en fait, moi. Bim! Je suis désolé, non mais. Je suis désolé de vous taper comme ça, je voulais pas. C'est mon ours de compagnie qui m'a obligé, bordel. Est-ce que j'ai trouvé une clé? Ouais. Ouais, si j'en ai trouvé une. What the da? Tornade! Ah bah non, je peux pas. Tiens, je t'attrape direct. Bon, c'est bon, je rigole plus. Vous allez dégager maintenant. Non mais, dégage, c'est dit. Au cas où tu l'aurais pas compris. Alors, maintenant, il doit y avoir un autre passage où je pourrais récupérer l'autre clé. L'autre clé, où te caches-tu? Sur ce cadavre, non? Eh ben non. Il y a sûrement un passage que j'ai pas dû voir. Ouais, enfin non. Je vais en poser une, peut-être ça va activer un truc. Ah, ouais, exact. Ok, super. Sûrement que là, c'est la deuxième clé. Et comment on ouvre cette porte? Vous ne pouvez pas enfoncer cette porte tout seul. Ah! Bah j'imagine que vous chevauchez cette petite araignée. Bah cette petite araignée, elle est quand même féroce et grande. Et très très grande même. Hop, je vais devoir activer mon pouvoir. Même si ça fait rien du tout, ça fait que récupérer la vie. Mais voilà, c'est parce que en fait, ça n'a rien à voir, mais je devais récupérer ma vie. Ah merde! What? C'est quoi? Ah merde, je me suis fait attaquer par une toile d'araignée. Dégage! Wow, c'était quoi ça? Ah ouais, ça a dû être à contre ou quelque chose comme ça. Non, Jaco! Viens, viens, viens. On a des petits comptes à régler, viens. Je vais te parler d'un truc, viens, je vais pas te faire de mal, promis. Je vais juste te chevaucher, salope. Wouh. Allez. Bon, comment on ouvre la porte? Appuyez sur clic droit. Clic droit, c'est ici. Ok, c'est aussi simple que ça. Par contre, ces petites bestioles, ils me font assez chier. Ouais, j'imagine qu'il faut la tuer. Désolé pour toi, mec. Enfin, meuf. Enfin, ouais, une araignée, ouais. Donc, c'est bien. mec. Une meuf, ouais. Enfin, je confonds les deux. C'est pas de ma faute. Au moins, je suis pas sexiste. Ok, c'est super tout ça. Bon, toi, tu as commencé à me casser la tête, donc tu as dégagé. Oh, eh, oh, boum. Allez, au revoir les nulos. J'y me barre. Mais, eh, je t'ai dit... What? Eh, mais il a ramené tous ses cousins ou quoi? Mais dégagez! What the fuck? What? Mais il a ramené toute sa famille du bled, le mec, hein. Mais dégagez vos mères.
Voilà. Maintenant, je mets la deuxième clé. Oh putain. Si le mec tu le frappes, il y a au moins tous ces coupes à chauve-souris de diaboliques là. Ils sautent tous sur moi comme des malades. Ah, c'est bon, je vous en ai tué qu'un quoi. C'est pas de. Voilà. Enfin, si, quand même, c'est grave, mais. Hop. Ok, alors ça c'est quoi? Ah merde, non! Mais non, mais je voulais découvrir c'était quoi, bordel. Oh, putain de merde! Ah, mais règle numéro 1, ne jamais attaquer une chauve-souris! What the fuck? C'est quoi tout ça? Mais allez vous faire foutre! Ouah! Super Saiyan! What? Je comprends même dans les airs, tu vois. Moi aussi j'ai des ailes. Je suis une chauve-souris! Je suis Batman, ma gueule! Ouah! Mais non, mais arrête! What? Oh mon dieu! Qui c'est lui? Qui c'est lui? Ah mais ta race! Mais écrabouille-lui sa tête, tranche-la en deux! Non mais je rigole, t'es belle. Tu me plais, viens. Cabritus, cristaux. Ces cristaux peuvent être utiles au combat. La meuf, elle a un strabisme ou quoi, le louche? Qui es-tu? Ah, tu fais quoi là? Tu me touches? Hey, t'as un problème toi? Bah alors c'est quoi le problème, connasse? Mais c'est quoi le problème? Tu n'y réussiras pas tout seul. Eh mais si je ramène le mec là, eh ben je vais gagner direct. Bon bah c'est super, je vais pouvoir défoncer tous les ennemis à travers de mon passage. Comme ça, j'ai fini direct le jeu et c'est super. C'est complètement cheaté ce truc. Bon allez, pour... Oh non, allez à la page des compétences directes. Je crois que je peux m'acheter des nouveaux trucs. Flamme de l'ombre, oh yeah bitches. Alors qu'est-ce que ça fait? Oh putain de merde. Eh, je vais me l'acheter direct. Compétences acquises, super ça. Bon, poursuivre la quête. Entrée sanctuaire donjon noir. Ouais, enfin, voilà quoi. Je finis. Entrée sanctuaire. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ce bruit? Ah oui, bah oui. Son protecteur. C'est un sanctuaire de la magie, de la sagesse et de l'harmonie. Ces gens ont créé les cristaux, ceux que tu as déjà vus. Ils n'avaient pas besoin d'armée pour se protéger. Leur pouvoir était suffisant pour écarter toute menace. Il en fut ainsi, jusqu'à l'arrivée des Lycans. Ou Lycans.
puis le changeur, trolls, gobelins, gremlins, des créatures de cauchemar assiégèrent sans fin la cité, jour et nuit. Beaucoup prirent la fuite, les orques utilisèrent le pouvoir restant près des titans gigantesques afin de combattre les envahisseurs. Désolé si j'ai du mal à parler. La bataille dura des siècles jusqu'à qu'il ne reste plus aucun pierre debout. Ceux qui ne moururent pas au combat furent capturés et dévorés. Oh putain. Mon père était un des derniers. Il me cachait et créait le chevalier pour me protéger. Nous avons toujours fui depuis. Et les titans survécurent à leur créateur et restèrent ici pour combattre un ennemi en surnombre. Jusqu'à qu'ils soient vaincus alors tous excepté un. Derrière ces portes attend le dernier de ces titans. La seule façon d'atteindre le sanctuaire des seigneurs noirs est de passer par cette porte. Nous devrons vaincre le titan si nous voulons poursuivre notre voyage. La porte ne s'ouvrira qu'avec le pouvoir des cristals. Tu dois trouver 4 éclats pour créer un cristal complet. Nous t'attendrons ici le temps que tu ailles le chercher. Vous avez débloqué une entrée du personnage principal. Pars à la recherche des lieux où se trouvent les éclats de cristal. Nous t'attendrons ici. Ceci, je vais le faire dans le prochain épisode. Alors, soyez... au rendez-vous, ouais, voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager s'il vous plaît, c'est très important. Partagez-la partout, Facebook, Twitter, même en vrai si vous voulez. Enfin bref, s'il vous plaît, partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner tout simplement pour suivre la suite du Let's Play. Et il y a aussi plein d'autres vidéos. Alors, aussi, j'avais une proposition à vous faire, c'est est-ce que vous aimeriez que je fasse des lives? Forcément pas sur Castlevania, mais par exemple sur plein d'autres jeux comme enfin je sais pas, Rust, si vous avez suivi mon épisode sur Rust, et ou je sais pas moi, DayZ ou Minecraft, ouais pourquoi pas, vu qu'un live c'est censé se faire pour Zetan. Enfin bref, j'ai déjà tout préparé au cas où vous me disiez ouais, vu que je suis assez voilà. Enfin, vous m'avez compris, bordel. Enfin, bref. Sur ce, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye!